Bonjour et bienvenue dans Canon, la série qui décrypte les canons des Invalides. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial autour du canon de 75. On va pas parler du canon en lui-même, j'en parlerai dans un épisode prochain, mais de ce qui est vraiment l'arme de l'artillerie, à savoir son projectile. Et pour ça aujourd'hui, je suis avec Sylvain, qui est démineur à la sécurité civile et qui va nous présenter les différentes munitions du canon 75. Il s'agit d'un coup complet d'artillerie. Donc le coup complet est constitué d'une douille ainsi que du projectile. La douille va rester à l'intérieur du canon et c'est cette partie-là qui sortira du canon et qui sera projetée. Dans la partie haute, on va retrouver donc dans l'obus environ 700 g d'explosifs et ce seront des projectiles qui iront entre 5 et 7 km. Pour ce modèle, il s'agit d'un obus à balles. On va reconnaître notre chargement grâce à une fusée qui est spécifique et on va voir une fois qu'on le déboîte. La douille reste à l'intérieur du canon et cette partie-là donc est projetée à l'extérieur. On va reconnaître au niveau de l'agencement interne un canal de transmission, de la poudre noire à l'intérieur et des balles. À partir du moment où on aura réglé le tampage, on aura une éjection de toutes les balles qui vont asperger toute une tranchée. La difficulté que nous rencontrons à l'heure actuelle, c'est que des obus ont été chargés en produits toxiques lors de la Première Guerre mondiale. Notre travail au quotidien est de les identifier et de les traiter. Sur ce projectile-là, on va reconnaître qu'il s'agit d'un chargement avec un gaz moutarde. Un petit rappel pour vous dire qu'on considère toujours une munition comme dangereuse et toujours pleine. En cas de découverte de munitions, nous inviterons à toujours faire appel aux forces de l'ordre pour éviter tout accident. Nous vous donnons rendez-vous dans la cour des Invalides pour les journées européennes de l'archéologie. Et on va voir, une fois qu'on le déboîte, c'est dur. Et voilà, alors typiquement là, il va servir de la prise loupée, on l'aura à la fin.